sont trop mignons. Oh, regarde, leur maman leur apporte le dîner. T'as vu, c'est bizarre. Il y en a deux roses et un bleu. Tu le fais exprès ou quoi? C'est clair pourtant. Tu vois pas qu'il y a un frère et deux sœurs? Allez, tiens, prends ça, mon copain. Avec deux sœurs, crois-moi, t'en auras bien besoin. Et toi, c'est un cerveau qu'il te faudrait, mon pauvre microbe. Hey, alors ça, tu vas me le payer cher, l'alien. Le petit troisième. Assoir, mes petits chers. Papa, bouge pas surtout. Papa, pousse-toi, s'il te plaît, laisse-moi atomiser l'alien. Wow, 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 on se calme, mes enfants. Qu'est-ce qui se passe, hein? Ah, les enfants, c'est que du bonheur. La victoire est totale. Je vais te ventouser ta vilaine face d'alien, l'alien. Stop. Hein? Z6PX, Z6PX, vous me recevez? Le terrien commence à poser un problème. Bien reçu, merci, terminé. Attends, l'alien, tu veux bien me dire à quoi tu joues là? Je fais ce qu'il faut pour écraser toute résistance, microbe. On vient de m'envoyer le nouveau modèle XX2, une pure merveille. C'est une petite sœur, en fait. Ce qui veut dire que bientôt on sera deux contre un. Cette fois, t'es cuit, microbe. Tu mens, je te crois pas, c'est pas possible. Ah oui? Tu me crois pas? Tu veux que je te raconte exactement comment ça va se passer? Le succès de cette opération repose sur votre choix, professeur. Je suis très fier de pouvoir vous présenter aujourd'hui le prototype du modèle XX2. Cruel et impitoyable, il est indestructible. Une véritable machine de guerre. Merci, professeur, c'est sublime. Tout simplement sublime. Je vous remercie votre cruauté. C'est très aimable à vous. Je te préviens, je vais tout dire à maman. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Après un bon lavage de cerveau, elle se souviendra plus de rien. Arrête, t'as pas le droit de faire ça. Trop tard, microbe. Parce que la nouvelle petite sœur est déjà programmée, je te signale. Bande de monstres, vous n'y arriverez jamais. Je protégerai ma maman jusqu'au bout. On ne bouge plus. Ça y est, Tom, c'est fini. Tu crois que je peux me laver maintenant? Ouais, là c'est bon, tu peux y aller. La zone est sécurisée. Je reste devant la porte pour monter la garde. Allô? Tom, écoute-moi, je n'ai pas besoin de protection rapprochée, je t'assure. C'est bon, vas-y, tu peux boire maintenant. Ah, maman, attention, vite à plat ventre. Tom, cette fois ça commence à suffire. Quand un frère a des ennuis, c'est sa sœur qui se réjouit. Excuse-moi maman, mais tu veux pas comprendre. T'es vraiment en grand danger, ils veulent t'injecter une petite sœur alien. Je peux quand même pas les laisser faire. Nina, cesse d'effrayer ton frère avec ses histoires insensées. Mais maman, c'est pas moi. C'est lui là qui se fait des films tout seul dans sa petite tête. Ouais, c'est ça, c'est pas toi qui disais que vous alliez introduire un bébé alien dans le ventre de maman comme ils avaient fait pour toi? Eh ben non, désolé, c'est pas moi. Bien, très bien, maintenant calmez-vous une seconde les enfants. Et puisque vous voulez qu'on en parle, eh bien oui, papa et moi, on compte mettre en route le petit troisième. Hein? Quoi? Mais... Qu'est-ce que je disais? Tu vois, j'avais raison. C'est merveilleux, n'est-ce pas les enfants? Ça vous fait plaisir au moins? Maman, réagis quoi? T'es victime d'une attaque sournoise des aliens et je te signale que je pourrais plus garantir ta protection avec une deuxième fille à la maison. Mais personne n'a dit que ce serait une fille. Ça pourrait tout aussi bien être un garçon, il y a une chance sur deux. Un garçon? Rien, tu parles d'une poisse. Un garçon? Trop cool. Il faut absolument convaincre maman qu'un troisième enfant est une très très mauvaise idée. T'as la frousse, pas vrai? Pourtant je croyais que tes complices aliens avaient programmé une fille. Exact, microbe. Sauf que le programme XX2 n'a pas prévu que maman voudrait justement un bébé. Du coup, ça pourrait être aussi un garçon. Et je peux pas prendre ce risque. J'aimerais pas être à ta place, l'alien, parce que je gagne sur toute la ligne. Attends, attends, une chance sur deux. Ça veut dire aussi qu'il y a 50 chances sur 100 pour que ce soit une fille. Si c'est le cas, je t'explique pas. Tu vas t'en prendre plein la figure, microbe. Ah bon, tu crois? J'avais pas du tout pensé à ça. Donc, on a tous les deux intérêt à convaincre maman de changer d'avis. D'accord ou pas? D'accord, ça marche, l'alien. Maman, sérieux, tu te rends compte? Un petit troisième, ça veut dire beaucoup, beaucoup plus de linge à laver. Et aussi beaucoup, beaucoup plus de vaisselle. Et un maximum de courses, faut pas oublier.
Et surtout, on pourra tous dire adieu au calme et à la tranquillité. Votre père et moi, nous sommes déjà passés par ces moments-là. On s'en sortira, ne vous inquiétez pas pour ça. Et puis 2 ou 3 enfants, ça ne fait pas une grande différence au fond. Sauf que dans ce cas, il manquera une chambre dans la maison. Mais non, si c'est une petite fille, elle partagera ta chambre. Et si c'est un garçon, on l'installera dans celle de Tom. Quoi? Maintenant, si vous préférez, on peut aussi installer le bébé seul dans une pièce et vous vous partagerez l'autre. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Si vous montiez un peu voir comment aménager vos chambres pour accueillir le nouveau-né, c'est pas une bonne idée? Oui! Je crois que j'ai trouvé l'astuce pour être tranquille un moment. Qu'est-ce que tu fabriques? Si c'est un garçon, il dormira dans le coffre à jouets. Je suis d'accord pour lui prêter. Par contre, pas question qu'il dorme dans ma chambre. Et toi alors, comment tu vas t'organiser? Si c'est une fille, elle dormira dans le cabanon du jardin. Je lui accrocherai un poster de Lover Move, ça lui tiendra compagnie. Je veux pas un petit frère! Tiens, notre première dispute! Cet homme a 8 mois, il venait de casser son premier pot de chambre. Depuis cette époque, il en a éliminé 66. 67, s'il te plaît, j'y tiens, merci. Oh, là c'est Nina qui mange le livre de papa. Ça c'est le jour où on a joué aux hommes des cavernes. Il a fallu 3 couches de peinture pour tout recouvrir. Et là, c'est le premier jour où j'ai martyrisé Grippy. La première fois où on a joué à Titanic avec Microbe. Tu vois, maman, c'est vraiment pas une bonne idée d'en avoir un troisième. Il nous arriverait que des catastrophes. Mais enfin, quelle catastrophe. Au contraire, ce sont ces petites choses de la vie mises bout à bout qui font toute la mémoire d'une famille. Et puis chaque enfant est différent. Le prochain sera peut-être un petit ange, qui sait? D'accord, viens, Microbe. Traînons pas là. Maman ne nous laisse pas beaucoup de choix. Elle va nous obliger à sortir la grosse artillerie. On peut dire que cette fois, on est parti pour une guerre totale. C'est le moment d'ouvrir grand tes oreilles, Grippy. À partir de maintenant, c'est tous pour un et un pour tous. C'est bon, je crois qu'on a ce qu'il nous faut. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Ça va, c'est rien, t'inquiète pas. C'est rien du tout. Ça, ils vont me le payer cher. Nina, Tom, je sais que vous ne dormez pas. Maman, t'es réveillée, là? Si vous cherchez à me dissuader d'avoir un troisième enfant, je vous le dis tout de suite, vous n'y arriverez pas. Un troisième quoi? Qu'est-ce que vous pouvez bien raconter en pleine nuit, là, au milieu du couloir? Oh, mais rien de spécial, mon chéri. Je vais recoucher les petits, hein. Je te rejoins dans 1 minute. Dis donc, maman, il est au courant de tes projets, papa? Évidemment. Mais oui, il le sait, bien sûr. Papounet que j'aime. T'es au courant de cette histoire de quintuplé? C'est arrivé à un couple qui voulait avoir un petit troisième et paf, ça leur a fait 7 enfants du jour au lendemain. Nina, mais enfin, c'est terrifiant ce que tu me racontes. Pourquoi me dire des horreurs pareilles? C'est un coup à faire des cauchemars. Parce que c'est une histoire vraie qui peut arriver à n'importe qui. Bah, en tout cas, il n'y a aucun risque que ça nous arrive à nous, hein. Où est-ce qu'on le mettrait, ce troisième enfant? La maison est déjà trop petite pour nous. Et puis, se lever 3 fois par nuit pour nourrir le bébé et changer des milliers de couches. Ah non, 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 alors non, c'est plus de notre âge. Hein? Franchement, t'es pas d'accord avec moi, chérie? Bah quoi? Bah, qu'est-ce que j'ai dit, moi? Rien, t'as dit que des choses très sensées. Eh, t'inquiète pas, papa, tu connais maman. Demain, elle aura complètement oublié cette histoire. Salut, Microbe. La nuit a été rude, mais on a évité le pire. Il n'y aura pas de petit troisième. Ouais. Il n'y aura ni fille ni garçon. On va reprendre le combat d'égal à égal. Ça va nous permettre de régler nos comptes, l'alien. Hein? Attaque à l'encre de la ville. Maman, chargez. La force est avec moi. Arrête de stresser, mon copain. J'ai trouvé la solution. Tu sais quoi? Je vais te fabriquer un petit frère.